responsabilité sur une échelle de 3 niveaux. Je prendrais d'abord le Camerounais lui-même, c'est-à-dire que monsieur tout le monde, monsieur, qui, lorsqu'il arrive quelque part, c'est-à-dire qu'il est prompt à aller toujours acheter tout ce qui vient de l'extérieur, comme quoi, parce qu'il manque d'abord d'assurance. Ça veut dire qu'il fait plus confiance aux autres, en se disant que les autres, nous, les Camerounais, nous n'avons pas le niveau nécessaire, nous avons tous fait ces grandes écoles. Et parfois même nous avons été les meilleurs, et de loin d'ailleurs. Ça c'est la vérité. Voilà. Et lorsque nous venons, c'est pour démontrer aux autres qu'il va, il va falloir apprendre à consommer ce que nous produisons. En tant qu'individu d'abord, c'est ce que nous devons d'abord nous apprendre. En nous disant que chaque fois qu'on va consommer ce qui vient, vient d'ailleurs, ça veut dire que ça nous approuvit davantage. Parce que je vous prends un cas qui est simple. J'ai pour marque de pâte à tartiner Prima. Imaginez-vous que Prima, je le vende à 1000 francs, qui est un chocolat de très loin de bonne qualité. Alors, en le vendant à 1000 francs, si 5 millions de personnes achètent en une année, cela me fera sûrement 5 milliards. Avec 5 milliards, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Non seulement pour le fisc au Cameroun, j'en recruterai davantage. Je créerai d'autres usines dans d'autres localités et je vais développer ces localités en tant qu'entreprise citoyenne. Non seulement je vais employer des gens, mais également les mairies. Les mairies vivent. Tout à fait. Voilà. Et si nous ne parvenons pas déjà d'abord à faire ce, à comprendre cela, c'est un problème. Voilà comment est-ce que je vois d'abord le problème au premier niveau avec les individus. Le deuxième niveau va de soi aussi avec les entreprises. Vous allez bien vous rendre compte que lorsque les entreprises locales veulent effectuer des achats, elles vont toujours vouloir aller acheter à l'étranger en se disant que non, parce que moi je trouve que là-bas, c'est moins cher. Alors qu'à la base, elles-mêmes, elles ne font pas la petite analyse en termes de coûts. Pourquoi c'est cher chez nous? Peut-être parce qu'on produit à l'unité, pas à l'échelle. Et pourquoi c'est cher chez nous? Quand je dis à l'unité, pas à l'échelle, ça veut dire qu'on n'a pas de grandes productions, produit pas pour en très grandes quantités comme les autres. Mais il faut justement que les autres commandent à passer des commandes chez nous pour que nous puissions aussi acquérir d'autres machines pour pouvoir produire. Voilà. Ils ne se posent pas les questions. Ils veulent acheter quelque chose, ils s'en vont à l'étranger. Et, comme d'habitude, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas des roues. Parce que lorsqu'ils achètent là-bas, c'est de l'argent qu'ils donnent là-bas. Et dans ce pays-là, cette entreprise chez qui ils ont eu à acheter, fait quoi? Reverse auprès de l'État. Et puis, voilà, les avions, le développement et tout et tout. Mais ils sont... pour moi, à la fin, c'est de l'hypocrisie. Ils sont surpris qu'il n'y ait pas de lampadaires partout, qu'il n'y ait pas du goudron partout, qu'il n'y ait pas de cela. Vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez développer le pays sans consommer d'abord les produits du pays pour pouvoir le développer.